Bonsoir tout le monde, tant que je nous connais là, Biou a répondu présent dans chaque journée Bull Champions League pour le bail impression sur ce qui va se passer dans match clé pour chaque journée. Et puis pas oublier like, partager, commenter et puis subscribe dans page là sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter pour avoir accès à tout ça n'a sorti. Sans perdre temps à filer dans gros affiche qui t'a doué gagner pour journée yo. Tout d'abord, on commencer avec équipe Real Madrid là. On a dit que entraîneur équipe Real Madrid là, Zinedine Zidane refusé tomber en bas pression et toujours viser titre Ligue des Champions comme objectif li. Mais faut qu'il t'a commencé pour une victoire sur équipe Galatasaray là pour t'a continuer rêver parce que jodi an équipe Real là plus a bataille pour le qualifier pour deuxième tour dans groupe li. Bri a couru dit que José Mourinho sur route pour remplacer Zidane, mais monsieur veut rester quelqu'un lui-même. Real Madrid chita dernier place dans groupe A avec un grain de point après qu'il était fini tomber 3-0 devant Paris Saint-Germain avec un match nul 2-2 la caillou avec équipe Club Bouge là. Et dans weekend ça qui se passe là, il tombé 1-0 devant équipe Mallorca. Équipe Real Madrid ça pas en forme du tout dans moment et contre équipe Galatasaray là dans la cour Istanbul, Real pas gain ni Modric ni Bale ni Lucas Vazquez avec Nacho, mais c'est vrai yo capable profiter tout de absence Mario Lemina et Radamel Falcao pour reprendre place parmi équipe qui ka passer pour deuxième tour dans groupe ça dans bataille avec équipe Paris Saint-Germain. Donc Real Galatasaray nous pensons que Real ta doit gagner match football ça. Dans l'autre match journée Paris Saint-Germain a gagné pour jouer contre équipe Bruges là, malgré Bruges a fait la pluie et le beau temps dans le championnat belge là, avec 8 victoires, 2 nuls, 0 défaites. Il y a un challenge devant une équipe Paris Saint-Germain qui a 8 victoires sur 10 matchs dans la Ligue 1 et puis qui gagne 6 sur 6 dans la Ligue des Champions. Ça t'a étonné nous que vous pas battre équipe Club Bouge là. Nous pensons à qui ont victoire pour équipe Paris Saint-Germain devant équipe Bouge ça. Ça a fait Paris Saint-Germain passer à 9 sur 9. Dans l'autre match qui a gagné pour jouer, dans le groupe B, il y a une équipe Tottenham qui a gagné pour jouer face à l'équipe Étoile Rouge de Belgrade là. Et bien nous avons avant pour équipe Tottenham nan, malgré que yo pas en forme du tout nan moment. Équipe ça semblé à peine la net, joueur yo pas motivé, yo a perdu son série de gros scores. Dernier match de Ligue des Champions, songe que te prend 7-1 nan main équipe Bayern de Munich là. Bien malgré tout, nous pensons que yo capable de reprendre corps devant équipe Étoile Rouge là parce que yo gain talent pour ça. Si yo mette tête yo en place, yo suivent Pochettino, et bien équipe Tottenham nan ta doué gagner équipe Étoile Rouge là. Et puis dans l'autre match qu'a gagné pour journée dans groupe C1, Nabdou que équipe Manchester City a gagné pour jouer face à l'équipe Atalanta. L'équipe Manchester City est son équipe qui a gagné en pile expérience dans la Ligue des Champions et avec Pep Guardiola, mais devant l'équipe Atalanta, si c'est vrai, il a gagné ambition pour remporter la Ligue des Champions, en match ça, il a gagné sans gros difficulté, malgré que nous connaissons que Atalanta a gagné capacité pour que les Kembe ou un échec. N'a pas demandé, nous, est-ce que Atalanta pas capable de racher un match nul dans mes équipes Manchester City, surtout le Manchester City joue une équipe qui regroupe, qui gagne défense, qui discipliné, qui bon en contre-attaque, qui gagne difficulté des fois pour yo battre équipe sa yo. Équipe Atalanta, eh bien nous prédit dans bio que yo capable racher un match nul dans équipe Manchester City. Et puis dans l'autre groupe qui gagne pour journée jodi, gagne groupe D1 qui lui même ta doué intéressant, un groupe côté que toute équipe yo gagne chance yo jusqu'à présent. Atletico 4 points, Juventus 4 points, Locomotive 3 points et puis Bayer Leverkusen gagne 0 points. Atletico Bayer Leverkusen c'est duel en deux équipes qui a goumé pour ouais, si tu es capable prendre une meilleure place dans le championnat, Atletico lui-même deux top 4 dans jodi, mais c'est seulement 3 points qui séparent le de Barcelone. Et puis gagné équipe Bayer Leverkusen qui lui-même trouve lui actuellement dans 9e place classement Bundesliga, mais c'est seulement 2 grains de points qui séparent le de leader. Donc c'est deux équipes qui parlent un leader dans le championnat qui prend gain pour toquer Konyo pour qui sont capable remporter match jodi. Et équipe Atletico Madrid lui-même à Placali, il t'a doué gagner équipe Bayer Leverkusen ça, équipe Atletico qui lui-même passé de présentation de la Ligue des Champions, puis gagne équipe Juventus de Turin qui va gagner pour jouer avec Lokomotiv Moscou. Juventus, leader la Cali, Lokomotiv Moscou, leader la Cali tout. Duel ça, t'as doué. Dit, est-ce que équipe Juventus de Turin a passé pour deuxième tour? Pour le moment, Juventus gagne 4 points, gagne possibilité pour que yo passe à 7 points. N'a pas rappelé que son double confrontation que deux équipes sont gagné. Ça veut dire qu'il y a gagné pour jouer deux prochains matchs, yon contre l'autre. Juventus a la Cali fois ça. C'est déjà une bonne possibilité pour Juventus de Turin montrer toute intentionnée pour que les qualifiés bonheur que possible dans le deuxième tour Ligue des Champions. C'est match que nous gagnons pour nous porter les yeux sur yo jodi dans Ligue des Champions. Pas oublier, subscribe dans la page Biou sur toutes les réseaux sociaux.